Salutations voyageurs et voyageuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de No Man's Sky. Bon, en dernière vidéo, j'ai recherché un vaisseau de type on appelle poulpe et j'ai pas trouvé. Faire une save manuelle, voilà. Encore un problème. Il va falloir que je prenne le portail. Bon, de retour. Ah, grosse pluie verglaçante. Bon, j'ai traversé le portail. Ce fut long avant de repopper. Là, où est-il ce pote? Ah, ok, il est de ce côté-là. Bon. Ok. Là, je ne le retraverserai pas, non? Donc, j'avais pris une adresse qui m'avait rendu... qui m'avait transporté jusqu'ici. Sauf que, malheureusement... il y en a qui l'ont trouvé, le poulpe. D'autres qui n'en ont pas marché. D'autres qui disent que ça n'a pas marché. Bon. Donc, je vais tester une autre adresse. Ah! Prends des matières premières pour l'activer, ce portail. Donc, essayons voir si j'ai ce qu'il faut sur moi. Ben, voilà le dernier. J'oublie toujours de peser sur le... d'appuyer sur la molette gauche. Ah, ok. Activer le portail. Ah, voilà. Bon, je vais tester une nouvelle adresse. Ok. Bien ça. La libellule. Où est la libellule? Ah, ici. La triforce. La petite spirale. Encore un lever de soleil. Les petits jumeaux. Les jumeaux, c'est là. Et la petite bestiole. Bon. Traversons de nouveau. J'espère que ce ne sera pas aussi long. On se retrouve de l'autre côté du miroir, du portail. Ah, j'ai failli. Bon, ok. J'ai popé. Et voilà. Le système d'Oriacon. Découvert par Fletchman. Merci, ça marche. Bon, c'est encourageant ces messages-là. Ah, après 12 ans, pas trouvé. Ça va bien. Ça inaugure très très bien. Rendons-nous sans tarder à la station spatiale. C'est sûr que cette adresse date d'il y a un an. Donc, peut-être des changements depuis. Une belle planète à anneaux. Ici. Des beaux anneaux concentriques. Bon. On va tester la méthode du hors de ton vaisseau et ne bouge plus. Bon, et voilà.
Bon. Le vaisseau qui arrive. Petit chasseur. Pas beaucoup de chasseurs de départ. Avec quelques ailerons en plus. Un autre chasseur et puis une autre nef. Bon, ben, on va recharger la save. La sauvegarde auto. Ok, encore un système riche. Dans les systèmes, c'est ce genre de système-là qui permet de trouver des vaisseaux de type de plus de classe S et de classe A. Une autre. Un beau transporteur et des grandes ailes. Deux transporteurs. Une navette. Et un explorateur. Non, on va attendre la deuxième vague. Bon, déjà un vaisseau de partie. Devrait encourager un... Ça devrait pas trop long pour la deuxième vague. Une autre navette. Et le voilà sur la deuxième vague. Un petit poulpe. On m'avait garanti la première vague, mais deuxième vague, ça fait pas. Bon, à quel prix tu me le fais? Faire une offre pour le vaisseau. Négocier le prix. Un classe S, c'est toujours un classe S. De toute façon, les exotiques. Donc le poulpe étant un exotique. Donc, on va l'acheter pour 12 000 unités. Bon, excusez. Et voilà. Un poulpe. Flambant vieux. Je vais faire un test. Et recharger la save. Probablement que le poulpe ne sera plus dans le dans la station spatiale, mais il va se retrouver dans mon cargo. Vu que j'ai sauvegardé la partie, alors après avoir récupéré le poulpe. Et c'est bien ça. Il se retrouve dans mon cargo. Donc testons pour la première ou la deuxième vague. On a toujours. Et voilà! Première vague! Oh! Comment tu me le fais? Un prix abordable, j'espère. Ah, ça demeure encore. Oh, il faut que je les change. J'ai changé 0 unité. Donc, je refuse. Quel que soit ton nom. Oh, Nidoji Liquidateur.
Bon ben. Je vais tester une chose. Faire venir mon cargo, simplement. Le X, petit cargo, le voilà. On va valider la présence du poulpe dans la baie d'Atlanta, dans le hangar. Non, j'ai pas trouvé les mots à force de bégayer. Voilà. Allons voir dans la... Et le voici. En chair et en vieux. Que mon exo combinaison. Ah oui, j'ai beaucoup de place. J'ai beaucoup, beaucoup de place. J'ai rien perdu dans le multi aussi. Ça reste là. Ça reste là. Ça reste là. Et ça reste là. Bon, X. On place sur un camp. Dans l'exocombinaison, c'est pas perdu. La dague beacon, ça c'était pour activer les portails. Données récupérées, et ici j'ai augmentation de stockage x5. Bon, comment récupérer des augmentations de stockage, surtout avec un vaisseau de type S. Est-il de type S? Non, c'est un. Suffit dans une station spatiale de se rendre à la console d'amélioration de vaisseau. Et à partir de là, réclamer les pièces. Donc, il m'a coûté 12 millions. Je récupère 8 400 000. Et voilà. Et j'ai des modules S. Donc, qu'avons-nous récupéré? 3 modules S. Ceci et beaucoup de petites choses qu'on peut revendre et surtout unité de stockage. Tout à l'heure j'en avais 5, là je suis rendu à 8, donc j'ai récupéré 3 emplacements d'augmentation de stockage. Au lieu de traverser l'autre côté, je me mets dans le petit salon où j'ai un terminal de commerce et où je vends des articles que j'ai entre. Le câblage, non. Accélérateur quantique, non. Ça, c'est pour la vente. Donc, extrait d'Indian circuit. L'Indian activé. Le cuivre activé. Je pense que c'était ça qui était trop. Oh. Bon. Je vais voir. Ok, ça faisait partie des matériaux en échange, mais ça, il faudrait que j'aille dans un système avec production d'énergie.
Donc une fois que ça c'est fait, je retourne. J'ai vendu mon vaisseau pour la casse, mais je me retrouve pas à pied. J'ai mon vaisseau d'origine, mon vaisseau de départ qui est réapparu ici. Bon, petit prologue, quelques heures plus tard. Je vais localiser mon... le petit monsieur. Oh, il a augmenté un petit peu. Mais il est toujours bas. Voilà. Les tentacules qui sont rétractés en trois sections. Lorsque l'on décolle. On voit ici qu'il se... qu'il se rallonge. Bon, ben, j'ai eu une petite frousse parce que ça a été un peu plus difficile pour réapparaître le deuxième. Mais dans l'ensemble, je me trouve satisfait. Donc, il existe et il est facilement récupérable dans le système où les coordonnées figurent dans le bas de l'écran. À gauche en bas. Sur ce, je vous invite à la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite bon jeu et surtout, portez-vous bien. Bye bye.